notamment celui de la présomption d'innocence et celui d'être jugé dans un délai raisonnable, est en train d'être vraiment une réalité, dans la mesure où, si vous prenez les dossiers inscrits au rôle criminel, le moyen en termes de détention remonte depuis 2019. 2019, 2020, 2021, 2022, ces personnes étaient en attente de jugement. Si aujourd'hui, on a pris la responsabilité à ce que ces audiences criminelles aient lieu, c'est le lieu de remercier tous les partenaires, notamment l'ONG Même Droit pour Tous, qui ne cesse vraiment de se battre pour que les différentes audiences dans le ressort de la Cour d'appel de Conakry puissent se tenir. Il faut aussi remercier les avocats qui sont là pour venir défendre les accusés. Il faut les remercier pourquoi? Parce qu'en matière criminelle, il n'y a pas d'audience sans avocat. Ce que je vais demander au ministère public, c'est deux choses. Le ministère public, dans nos fonctions régaliennes, nous devons nous inscrire dans le respect des droits tels que le procureur a promis, mais nous demandons si, à la lumière des débats, il n'y aura pas des éléments de preuve tangibles de retenir la responsabilité de la personne, il demande au ministère public de ne pas être seulement dans la réquisition à charge. Si les éléments ne tiennent pas, nous requérons à charge et à décharge. J'en suis sûr et certain. Les questions, notamment de viol, sont devenues des questions récurrentes. Notre politique pénale à la tête du parquet général, c'est que nous ne voudrions pas, sous le respect de la présomption d'innocence, que les personnes qui seront reconnues coupables des faits criminels de viol et autres, que ces personnes-là soient condamnées au poids de leur forfaiture. Sur ce, je fais mien aux réquisitions prises par le représentant du ministère public et je remercie Monsieur le Président honorable assesseur et je vous demande très humblement et très respectueusement d'examiner ces dossiers selon votre conscience et selon votre intime conviction dans l'intérêt de la bonne administration de la justice dans nos pays. Je vous remercie. Merci.